Allez, du coup, on est de retour. Allez, The King qui a fait le premier kill sur Anko. Et c'est Soon qui va mettre ses deux premières touches sur The King. Et Soon qui va mettre sa troisième touche sur The King. Et du coup, on passe à 5 à 3 pour les Insomniac. Enko qui se fait toucher les deux premières fois par The King. Enko qui fait le kill sur Mass. Et The King qui va faire la troisième touche sur Enko. Et The King qui fait les trois touches sur ce rune qui est chaud bouillant. Allez, Mass qui se fait toucher une première fois par Enko. Sur du BO3, du coup les Insomniacs qui sont en position de force. Allez, Mas qui fait le kill sur SLK, c'est bien joué. Allez, Mas qui va pouvoir capturer le pôle. Et Mas qui fait le kill sur Enko, c'est bien joué. Allez, il reste plus que Soon pour aller défendre ce pôle. Allez, Mas qui va tout faire hein, pour aller faire ce kill. Allez, tenter d'aller chercher ce pôle. Et du coup, Mass, il commence la capture du pôle et ça passera pas. Soon qui fait les deux touches, les deux dernières touches sur Mass. Et du coup, on passe à 6 à 4 pour les Insomniac. Ok, salut à toi, bonne nuit. Fais de beaux rêves. Allez, on est avec SLK. C'est le cas qui s'est fait toucher une première fois par Mass et une deuxième fois par The King. Ça devient plus compliqué là pour SLK. SLK qui fait le Rocket Knife au lieu de faire le kill. Ouais, la roquette était lancée de la part du défenseur et The King qui va mettre cette troisième touche sur SLK et on passe à 6 à 5 pour aller à Insomniac. Allez, c'est au tour de Babou de prendre la fusée et de s'envoler. Babou qui a attendu le spam. Et Babou qui tente le kill sur Enko, ça passera pas, c'est dommage. Directement l'agression de la part des Insomniac. Et voilà, Soon qui met cette première touche, Enko qui met la deuxième touche. Et Enko qui mettra la troisième touche sur Babou. Et on passe à 7 à 5 pour les Insomniac. Allez, c'est au tour de Soon de s'élancer. Et Soon qui fait directement l'agression sur Mass. Mass qui fait la première touche sur Soon. Et Soon qui enchaîne avec le kill sur The King. Il reste plus que Babou maintenant pour 2 points d'armure. Et Soon qui fait le très bon kill sur Babou. Et du coup on repasse avec un avantage pour les Insomniac sur un score de 8 à 5. Et c'est une balle de match pour les Insomniac. Et c'est The King qui s'élance pour aller contrer cette balle de match. Ça va être difficile hein, pour The King là. Il faut aller chercher le pôle, il faut aller chercher le kill si on veut aller chercher la troisième map. Allez, The King se fait toucher une première fois et une deuxième fois par Enko. Maintenant ça va vraiment être compliqué là pour The King. Allez, le pôle qui va pouvoir être capturé dans 14 secondes. Allez, The King, on est avec toi. Allez, The King qui se fait éliminer.
par SLK. Et du coup, les Insomniacs qui remportent cette cup de cette ESL Series. Et du coup, on a vu du très bon match en perspective hein, ce soir. Même si on a eu des petits bugs sur le stream, etc. C'est vraiment la soirée qui a vraiment très très mal commencé, on va dire. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé le stream. Et je vous donne RDV demain pour la Insomniac Cup Qualif numéro 2. Alors, je vais juste prendre les informations qu'il me faut. Compétition. Tournoi. Ok.